C'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Ils disaient qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. Orban, il m'a dit. Vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre ? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et ouais. Donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui, tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom, c'est le nouveau patron, c'est the big boss de l'Europe. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. Oui. Les critères politiques, eux, oui, ne montrent aucune association avec la mortalité finale. D'accord. Ce qui veut dire que lorsque l'on regarde l'intensité du confinement, on n'a donc pas d'association dans cette analyse avec le critère principal. Or, si l'on veut chercher des causalités, comme vous le mentionniez par rapport à la question du couvre-feu,